m'appelle Eric Cadoré, j'ai 53 ans et je suis nouveau secrétaire départemental de la Fédération du GERS du Parti communiste français. Voilà, j'ai été élu au dernier congrès par les camarades. Mais je suis militant communiste depuis 1979, j'arrive des fois plus à compter. Et voilà, l'idée principale, c'est que je crois que l'engagement communiste est quelque chose de fort. C'est raisonné, ça évolue avec le temps, en fonction de l'actualité, en fonction des problématiques. Et puis on a aussi dans notre vie des hauts, des bas, des affaires difficiles des fois, de famille, de boulot, de vie. Et donc, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'engagement, il y est toujours. Et il y a des moments où on peut donner plus, d'autres où on donne moins, mais l'engagement, il dure. Il dure et depuis longtemps, et j'espère qu'il va continuer longtemps encore. Alors, c'est des valeurs multiples. C'est-à-dire que je crois que le communisme, c'est d'abord vouloir changer le monde et vivre mieux, dans un monde capitaliste qui écrase, qui écrabouille les individus, les sociétés, les collectivités et tout. Et donc, il y a besoin d'inventer de la solidarité, du bien-être, du bonheur. C'est vraiment la recherche du bonheur. C'est toujours une idée neuve, quoi. Voilà, c'est ça. Alors moi, ce que j'attends principalement, c'est de donner de l'avenir aux idées de transformation et de rechercher une unité interne des communistes. Pas le consensus mou qui fait qu'on est tous d'accord, mais l'unité dans l'action. Et vis-à-vis de la société, vraiment sortir de cette idée de fatalité qui nous empêche toujours d'avancer. Même là, on est en plein mouvement social très fort sur la loi El Khomri. Il y a des acquis possibles au bout, pas seulement le retrait de la loi, aussi d'autres dimensions que pose le mouvement social. Comme toujours, quand il grandit, il élargit le champ de son action. Et j'espère vraiment que voilà, ces propositions-là sur les salaires, sur la dignité, sur les luttes des femmes, sur la reconnaissance des individus, des droits et l'internationalisme, changer l'Europe, changer le monde. Voilà, moi j'ai entendu les délégués internationaux, ça met les poils, quoi. C'est magnifique ce qu'ils disent. Quoi, voilà.